Nous avons abordé des sujets de fond qui sont pour nous importants, pour lesquels nous pensons que l'Union européenne peut apporter un accompagnement à la République démocratique du Congo, qui sont d'une part l'appui au retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'accompagnement que nous pourrions apporter en discussion bien sûr avec nos partenaires congolais sur le processus qu'on appelle DDRCS, de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants, nous assurer que effectivement il y a une porte de sortie qui soit là pour les anciens combattants. Et puis nous avons parlé aussi du processus électoral et de l'accompagnement que l'Union européenne pourrait faire par rapport à celui-ci.